Et c'est reparti mon kiki les amis. On finit le dernier chapitre en solo avec nouveau pour les mauvais choix. On continue de faire les mauvais choix. Donc les choix les pires par rapport à la première fois où j'ai joué, où je pense que j'ai fait le meilleur destin de la plupart des gens. Ici j'ai eu beaucoup de morts et beaucoup de malheurs. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, la petite Zoé à la piscine. Elle se souvient, bien sûr. C'est vraiment traumatisé, là, qui est la petite. Hein. Ah, j'espère que je vais pas faire les mauvais choix. Enfin, me tromper dans les choix, plutôt. Faut que je fasse ceux que j'ai pas fait. C'est pas toujours évident, hein, de se souvenir. Elle va faire sa grosse apnée. Appuyer. Au secours! On commence à faire des bulles. Oh là là, dans son genou. Sa maman qui est morte. Des rêves, c'est ça? Je sais plus. Merde! Est-ce que ça va? Elle est tombée dans le coma là. J'ai battu mon record. Desk Falls. Ça veut dire quoi, Desk Falls? Comme l'obscurité tombe, un truc comme ça. Non? Tes lunettes. Merci. Zoé, c'est ça? Tu travailles à la cafette, non? Désolée, c'est pas moi. Si, je te reconnais. C'est toi qui fais les meilleurs sandwichs aux boulettes de viande. Tu travailles à la cafette. Par contre, il est trop radin sur la marinara. Je travaille plus là-bas, en fait. Oh, désolée. Dis, ce que tu faisais sous l'eau tout à l'heure, je peux te demander pourquoi tu retiens ta respiration comme ça? Il y a des gens qui méditent. Moi, je préfère couler au fond d'une piscine. Je veux arriver à tenir au moins 2 minutes. Waouh, ça a l'air un peu extrême. Pourquoi tu fais ça? C'est là que je me sens bien, tout ça. C'est le seul endroit où je trouve un peu de paix. Oh, il faut que je rentre. Écoute, je sais qu'on se connaît pas, mais je le sens quand les gens ont besoin d'aide. Il y a quelques années, ma mère est tombée malade. Je passais toutes les nuits à son chevet à l'hôpital, à me demander si elle allait s'en sortir. Et tout ce dont mes amis avaient envie de discuter, c'était les devoirs et les garçons. Il y avait personne qui comprenait vraiment ce que je traversais. Et puis j'ai fini par me rendre compte qu'en fait, il y avait toujours quelqu'un pour m'écouter. Jésus revient, Jésus revient. Merci. Merci, okay. Merci, c'est une belle secte. Ouais. Peut-être. Demande à me voir. Mon nom c'est May, avec un Y. C'est noté. Jésus revient, Jésus revient. Elle aurait peut-être dit, j'ai vu un mec de l'autre côté. Je sais pas si elle a des hallucinations ou quoi. Pompe à essence. Ah, il change les plaques, je crois, non? Ou il a fait le plein? Je sais pas. Quatorze ans plus tôt, National 83, Montana. J'aurais peut-être dû faire qu'ils se séparent. Je sais pas si j'ai bien fait quoi de faire ça.
pendant que tu changeais les plaques de la voiture. Je voulais prendre de ses nouvelles. Ah oui, tu changeais bien les plaques. Est-ce que tu lui as dit... Non, non. J'avais juste besoin d'entendre sa voix. Ah, ils ont été repérés alors, c'est la téléphonée, c'est sûr. 260 miles pour le Canada, la frontière. On va passer la frontière à pied. Je suis vraiment pas fan de rando, mais bon, il faut bien que je m'adapte, hein. J'ai pas le choix, je suis criminelle recherchée maintenant. T'es pas une criminelle, tu aides un ami, c'est tout. T'as suivi le procès Simpson ? De quoi ? O.J. Simpson, le joueur de football américain accusé d'avoir tué sa femme parce qu'elle couchait avec un serveur. Je regarde pas trop la télé. Enfin bref, tout le monde a une face cachée, c'est ça que je veux dire. Qui sait de quoi on est capable après tout ? Si ça se trouve, on est tous des tueurs en puissance en fait. Peut-être bien. On peut être capable de tout, quand on est désespéré. Même de tuer ? Oui, si on a une bonne raison. Une chasse à l'homme est en cours pour retrouver les tueurs du Desert Dream qui ont cambriolé la maison du shérif de Turok avant de se réfugier dans le motel qui est devenu le théâtre d'une épouvantable... Attends, c'est toi qui parles ? Ouais, mais j'ai pas envie d'écouter. Ah, moi si. Et Cliff Gerult, comme un ado déscolarisé, discret et mal dans sa peau. On dirait que c'est un crime d'arrêter l'école. Holt est accompagné d'une complice, Vanessa Dorland, âgée de 16 ans, probablement armée et dangereuse. Si vous voyez l'un de ces criminels, appelez immédiatement la police et... Je suis désolé de t'avoir entraîné dans tout ça. Je me suis pas fait entraîner. C'était mon choix. J'ai juste... J'ai besoin de souffler un peu, d'accord ? Ouais. Je comprends. Barrage. Et juste après le tournant, boum! Chargé d'intercepter les conducteurs alcoolisés qui reviennent du River Palooza. Alors, on faisait la brague ? Non, monsieur. On est juste de passage. En provenance d'où ? On était à Salt Lake City. On est en voyage. Pour... avec notre paroisse. Ah oui ? Laquelle ? Les Saints des Derniers Jours. Le Livre de Mormon, vous connaissez ? Deux ados dans un cabriolet beige. Restez dans le véhicule. Faut partir, on peut pas rester là. Si jamais ils nous signalent, on est foutus. Centrale, je suis au niveau du col. Attends une seconde. On a un carambolage avéré en bas du col. Fuir le contrôle.
14 ans plus tard. 2012, Saint-Louis, Missouri. Les petits... De l'huile de noix de coco organique. Tu travailles tard en ce moment ? Eh ouais. Le patron m'a encore refilé une tonne d'heures sup. Ma routine habituelle, quoi. Dis, ça va, toi ? C'était mon anniversaire dimanche. D'habitude, tu passes un coup de fil. Ah, c'est Vin, son papa. Je suis désolée, papa. C'est juste que... En ce moment, je... Tu veux faire bonne impression au travail, je comprends. Si je passais demain midi, on pourrait profiter de ces fameux sandwichs gratuits, t'en dis quoi ? Il risque d'y avoir un petit souci. Pourquoi ? Est-ce que tout se passe bien au travail ? Ça se passait pas bien. Pour être honnête, papa, en fait, ça se passait pas super bien au boulot ces derniers temps. C'est-à-dire ? T'as arrêté ? En fait, on m'a remercié. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas faire ? Oh, j'ai déjà des pistes, t'inquiète pas. Bon, si t'es sûr de toi. Zoé ? Désolée, papa, il faut que j'y aille. Comprimé d'anxiété deux fois par jour. J'ai mis l'autre flacon. Attention au monstre dans le placard. Et la table de nuit. Mais ils sont où ces dogs à la fin ? C'est quoi ça ? Placard. La plaque de la route 66. Fermez le robinet parce que c'est énervant. Toujours vraiment la goutte d'eau. Dites-moi que je suis réveillée cette fois. Ah, c'est la même chose que dans son rêve. Réfléchis, Zoé. Où t'as bien pu les mettre ? Je peux rien faire. Allez, on se calme, on respire. Corps. Qui est là ? Restez à l'intérieur. Mais Jim, c'est papy. J'aurais besoin d'une oreille compatissante. Je peux venir ? Oh, c'est-à-dire que j'ai comme qui dirait un petit souci, en fait.
Quel genre de souci? Monsieur Walker! J'arrive tout de suite. Je vous l'ai dit. Je peux pas laisser mes locataires endommager les... Et deux. Moi, je vous le répète encore une fois. J'ai rien abîmé du tout, madame. Monsieur Walker, j'ai vraiment pas le temps pour une autre dispute. Salut, mon vieux Zeus. Zoé, Dieu merci, te voilà. Tu veux bien expliquer à cette dame que j'ai le droit de jouir paisiblement de mon propre logement? Paisiblement? Vous avez vandalisé la porte d'entrée. Ok, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est entré chez moi et a volé mon portefeuille. Non. Vous avez égaré votre portefeuille et c'est vous qui avez cassé la porte. Zoé, il y avait quelqu'un. Je suis sûr d'avoir vu quelque chose bouger dans l'ombre. T'as fait du mal? Est-ce que ça va? T'es pas blessé? Non, j'étais pas là. J'étais en bas, je crois. Je sais exactement ce qui s'est passé. Ton grand-père est encore sorti de chez lui en robe de chambre. C'est la troisième fois ce mois-ci. Et quand monsieur s'est rendu compte qu'il n'avait pas sa clé, il a enfoncé la porte pour rentrer chez lui. C'est n'importe quoi! J'avais besoin de prendre l'air. Alors je suis sorti me promener et j'ai vu quelqu'un et d'un coup, là je me retrouve à me disputer avec Shelby. C'est pas ça mon nom. Zoé, je sais que ça te fait de la peine, mais la santé de ton grand-père décline. Il lui faudrait un auxiliaire de vie ou une résidence médicalisée. Oh, ça va bien maintenant. J'ai besoin de rien du tout. Zut à la fin. Manifestement, on a tous les deux un avis très différent sur ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, quelqu'un doit payer pour cette porte. Envoyez-nous la facture. Je veillerai à ce qu'elle soit payée. Merci, c'est gentil de ta part. Il faut le faire aider, Zoé. Un complot pour extorquer de l'argent à un vieil homme vulnérable. Voilà ce que c'est. Elle est culottée, une résidence médicalisée. L'impression d'entendre ton père avec ses bêtises. Va pas le raconter à Shelby, mais je sais que c'est pas moi qui ai cassé ma porte, parce que j'ai toujours une clé de secours sous le paillasson. Sérieux? Tu trouves pas ça un peu risqué? Crois-moi, si tu veux dissimuler quelque chose, le mieux c'est de choisir une cachette bien en évidence. Et toi, comment ça va, ma grande? Quoi de neuf, alors? Moi, ça va. T'as une petite mine. On dirait que tu viens de rentrer de la guerre. Comment ça va, le sommeil? Avec les médocs, j'arrive à dormir. C'est ce que le docteur Chaudry t'a prescrit? C'est tout ce qu'elle a pu faire pour moi. Ça allait mieux il y a quelques mois pourtant. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? C'est rien d'important. Je te le promets. Bon. Et sinon, à part ça, le travail, ça se passe bien? Je me suis fait virer. J'ai été absente trop souvent. Je l'ai dit à papa. Je te laisse imaginer le naufrage. Oh, là, comme ça, j'imagine le Titanic. Oh, peut-être que c'est pas plus mal, en fin de compte. Tu as toujours dit que tu voulais être journaliste d'investigation. Pourquoi tu passerais pas un diplôme, par exemple? Je sais pas trop, papy. J'ai qu'une envie, c'est de me réveiller sur une plage déserte, plonger dans l'océan, disparaître sous les vagues et ne plus refaire surface. Allons, allons. Croisons ton vieux papy qui a toujours essayé de fuir ses soucis. Où que tu ailles, tu emmènes toujours tes problèmes avec toi. Tiens, je vois plus ma tablette pour aller sur Internet. Oh non, les ordures. Je l'avais eue pour mes 74 ans. Ça te dérange si je fouille un peu? Avec un peu de chance, je trouverai qui a volé tes affaires. Vas-y, je t'en prie.
papy. Tu prends tes médicaments? J'aime pas ça, ça m'embrouille les idées. D'accord, c'est toi qui vois. T'es au courant que ça fait des lustres que tu l'as, ce canapé? Je l'ai acheté en 98. La semaine après, enfin, tu sais, quand on est arrivé à Saint-Louis, eh ben, figure-toi que plus le temps passe, plus il est confortable. Papy! Non, elle était là. Heureusement qu'ils l'ont pas prise aussi, tiens. Enfin, pour ce que j'en fais, je sais jouer au solitaire, mais ça s'arrête là. Papy, tu es sûr que c'est pas toi qui as cassé la porte? Ça restera entre nous. Ça t'arrive jamais d'aller dans une pièce et de te rendre compte que tu sais plus ce que tu voulais faire? T'as jamais rien égaré, rien perdu, toi? Tu sais tout ce que j'ai perdu. Je veux pas te perdre aussi. Shelby a raison. C'est de pire en pire. Tu peux pas baisser les bras. Tu as vaincu le cancer. Tu peux encore te battre. Cette fois, c'est pas pareil. Les lieux, les dates, même l'école où j'allais. C'est comme si quelqu'un était en train d'empaqueter mes souvenirs dans des cartons sans prendre le temps de mettre des étiquettes. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait? Je sais pas. Ne plus se replonger dans le passé, ça peut avoir des bons côtés. Tu dois sans doute penser que je me suis bêtement fait des films. À vrai dire, moi aussi, il y a quelqu'un qui me suit, enfin, je crois. Quoi? Tout à l'heure, à la piscine. Et ce soir, à l'appartement aussi, il m'a semblé voir quelqu'un. Mais je sais même pas si c'est vrai. J'ai l'impression qu'on perd la tête tous les deux. Bon sang. Zoé, écoute-moi. Tu as subi les pires épreuves quand tu étais petite. Perdre ta maman comme ça. Et je sais que tu te dis parfois que ça t'a rendu à moitié folle. Je suis au courant. C'est pas la peine de me le rappeler. Oui, je sais bien. Mais c'est ce que j'essaie de dire justement. Je pense pas que tu sois folle, au contraire. Parce qu'autrement, eh bien, pourquoi est-ce qu'on verrait tous les deux la même chose, hein? Papy? Alors, soit on perd tous les deux la boule, soit... Soit quoi? Oh non, c'est pas possible. Quand je l'avais fait, c'était pas la bonne personne. Alors je vais pas l'interpeller. Je vais faire l'autre choix. Il y a plus la musique. Il croit que j'ai appuyé le bouton. Hein. Eh ben non. Où est-ce que t'es passé? Merde!
Je le vois déjà partout, hein. Elle devient folle. Une petite pilouse. Échapper au passé alors que ça me hante partout où je vais. Je crois que la seule chose à faire, c'est d'oser affronter tes démons. Regarde les choses en face et essaie de les voir telles qu'elles sont. On va ouvrir la lettre. Si le passé te parle, il faut l'écouter. Faut l'écouter. Et après ça, peut-être que tu seras enfin libre. Pitette. Écris-moi, réponds-moi. Parc national des glaciers. 14 ans plus tôt. Le parc glacier du Montana. Attention, il y aura un choix important à faire ici, mais je sais plus quoi. On va se faire choper près de la cascade avec le FBI. Blackfoot Falls. J'entends plus les sirènes. On les a semées? Pour l'instant, en tout cas. Mais on ferait bien de cacher la voiture. Personne n'a l'air de nous suivre pour l'instant. Peut-être qu'on va y arriver. Enfin, si je m'évanouis pas avant. Tiens. J'irai beaucoup plus vite si je te ralentissais pas. J'irai nulle part si t'étais pas là. Attrape mes mains. Yop. Beau travail d'équipe. Je comprends pas. J'ai froid, je suis trempée, mes jambes me font mal comme si j'avais fait du sport toute la semaine. Toi, on dirait le lapin de la pub. Tu t'arrêtes jamais. C'est quoi ton secret? Je peux plus reculer. J'avance parce que j'ai pas le choix. Ah ouais. Tout bêtement. Bon bah c'est reparti. Bon, et bah c'est reparti. Mon kiki. C'est reparti mon kiki. Elle a dit c'est reparti mon kiki. Elle a pas dit mon kiki, mais elle a dit c'est reparti. Donc comment je mets mon kiki? C'est beau la chute d'eau. C'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Avant, parfois, ma mère et moi, on allait se balader dans le désert. Dans le désert. Quand il faisait chaud et qu'il y avait assez de brume, le soleil donnait l'impression de tout embraser. Boule de feu à l'horizon. Une immense boule de feu à l'horizon. C'était mieux que ça? Avec elle, c'était différent, c'est tout. Tu saignes? Mince. Je m'en étais même pas rendu compte. Fais-moi voir. Tournez, tournez. Voilà. C'est mieux. Heureusement, tu sais ce que tu fais. Bon. Comment on fait pour passer la frontière? Il va falloir qu'on nage. L'eau doit être froide. Glacée, même. Mais ça fait du bien. Ça donne un coup de fouet. C'est encore mieux que le café. Il y a du monde. FBI, vous êtes cerné. Qu'est-ce
Est-ce que je vais faire comme choix Christian ici? Je ne sais pas. Vanessa, tu es là? C'est moi. C'est papa. Papa? Mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as seulement la moindre idée d'avec qui tu t'es enfui au juste? Il s'appelle Jay. Je suis au courant de ce qui s'est passé dans le motel. Et honnêtement, j'en ai rien à faire. Vanessa, c'est pas normal. Il est quand même pas venu seul. Si t'es au courant, tu sais aussi que c'est un meurtrier. Il a tué des policiers, Vanessa. Il va être condamné à mort. Tu sais absolument pas de quoi tu parles. Vous avez pas pu venir tout seul? Qui d'autre est avec vous? Personne! Je suis venu chercher ma fille, c'est tout! Menteur. Alors t'as fait tout ce chemin pour rien, papa! Elle ne laissera pas tomber. On s'en tient au plan de base. C'est fini pour toi, Gerald! T'es en état d'arrestation sur ordre du FBI! Je dois quand même avouer que je te croyais assez malin pour éviter de prendre la fuite lors d'un contrôle routier, mais bon, tant pis. Je suis venu avec toute une équipe d'agents fédéraux. La cavale s'arrête ici, Jay. Je vous laisserai pas me condamner à mort. J'ai le suspect en ligne. Ah ouais, il tire à vue, quoi. Elle s'enfuit avec lui cette fois-ci, ça c'est merde. Allez, allez! Allez! Allez, vite! Chaud là. Par ici, vite. Action, action, action. C'est l'hélicoptère qui a arrêté sur place. Ah, y'a encore le père. Sauter tous les deux. Est-ce qu'elle va oser, la fille? Ils ont pas trop le choix. Hein. Et ensuite, on fait quoi? On la saute. La frontière est là-bas, juste derrière le lac. Il faut qu'on saute. D'aussi haut? Vanessa, attends! Reste où tu es, papa. Si vous sautez, vous mourrez. Vous en réchapperez pas. Peut-être que si, vous en savez rien. Vanessa, quoi que tu penses de moi, tu étais ma petite fille autrefois. Tu as dormi contre moi. Tu as marché sur mes pieds. C'était quand la dernière fois que tu m'as dit que tu m'aimais? Je vais te donner un indice. Jamais. C'est vrai. Je suis pas doué pour ces choses-là. Et plein d'autres, je le sais bien. Après la mort de ta mère, j'étais perdu. Je vous disais une chose, vous faisiez le contraire. Plus j'insistais, plus vous me détestiez tous les deux. Et puis, t'as mal tourné. Je sais que tu me vois comme un monstre. Pourtant, je t'aime, Vanessa. Si tu dis qu'on peut survivre, je te fais confiance. Mais on peut y aller maintenant, avant que je change d'avis. Ok. On saute à trois. Un. Deux. Attends. Papa. Oui, ma chérie. Dis à mamie qu'il y a un autre paquet de cigarettes sous l'évier. Non. Vanessa, fais pas ça! Non!
sûr que c'est là? C'est pas sur la carte des sentiers. Ça va aller. Merci. Plus tard, la petite Zoé va au Canada à l'adresse de Jay et elle toutou. Oh, ça, c'est le mien. Oh, il aboie en même temps que mon chien, c'est trop marrant. Gentil, Sandy. Qu'est-ce qui te prend? Ça va, pile? Prêt au poivre. C'est toi. Zoé. Salut. J'étais même pas sûr que t'aies eu mes lettres. Une fois par mois depuis mars. Tu sais que t'es toujours recherché par le FBI, n'est-ce pas? Comment tu m'as retrouvé? Grâce au bureau de poste. J'avais le numéro de ta boîte postale. Ils m'ont aidé à trouver le reste. Les gens sont plutôt sympas par ici. Oui. Ouf. En effet, t'as tellement changé. Je savais bien que t'avais grandi, mais dans mon esprit, t'étais restée la même petite fille effrayée. Tu fais plus vieux, toi aussi. Plus que ce que j'imaginais. Ah, 14 ans dehors, ça transforme n'importe qui, tu sais. Hey, viens t'asseoir. Il y a une chaise sur la terrasse. Je te promets que t'auras pas besoin d'utiliser ton spray au poivre. Alors, comment ça va finir? On arrive au bout là? J plus Vanessa. Elle est où Vanessa? Sacré vue. Je me disais pareil avant. Mais je l'ai beaucoup vu. Ça fait bizarre de te voir ici. J'ai tellement pensé à toi et à ta famille ces dernières années. Ouais. C'est ce que tu m'as dit dans tes lettres. Moi j'ai tout fait pour oublier la tienne. Mais j'y suis jamais vraiment arrivée. Oh. Et la fille avec qui tu t'es enfuie? Est-ce qu'elle est toujours là? Non. Non, elle est partie. J'ai beaucoup de questions à te poser. Elle n'est pas restée, Vanessa. À propos de ta vie et... Lance-toi. On m'attend nulle part. Au moins, elle n'est pas... Où est Vanessa? Ouais, c'est ça, je voulais dire. Elle s'appelait Vanessa, c'est bien ça? Je peux te demander ce qui s'est passé? On est restés 6 ans ensemble, elle et moi. On dormait dehors quand il faisait chaud. On se faisait la lecture au coin du feu de temps en temps. Mais j'imagine que la vie normale a fini par lui manquer. Je crois qu'elle habite en Californie maintenant. On aura au moins vécu de belles années ensemble. Au moins elle n'est pas morte, ça c'est déjà bien. Comment va ta famille? Il n'y aura plus de nouvelles. T'as des nouvelles de ta famille? Non. Tyler attend la mort dans l'Arizona. M'en appeler des coupables, elle s'en est mieux sortie. Voilà, c'est tout. Il reste plus que moi. Et vous la cicatrice? Je me souvenais pas que t'avais une cicatrice. Oh, je me baladais beaucoup au début. Un jour, je suis tombé sur une ourse qui avait l'air blessée. Sauf qu'en fait, elle venait d'avoir des petits. J'ai retenu la leçon. Ouais, ça change pas. Comment t'as survécu à cette chute? Tu sais, tout le monde te croit mort depuis que t'as sauté du haut de cette falaise. On a failli y passer. Je me suis évanoui dans l'eau. Vanessa m'a ramené jusqu'au rivage. Après ça, on a passé des semaines à marcher. On a eu pas mal de chance avec la météo, mais si on a tenu bon, c'est seulement parce qu'on était tous les deux. Chut. On t'a déjà reconnu? Oula. Personne t'a jamais reconnu pendant toutes ces années? Ça a déjà failli arriver en ville. Mais
je peux jamais être sûr de rien. Je remarque juste les regards des gens. J'évite de m'aventurer trop loin maintenant. La bibliothèque, le marché, c'est à peu près tout. Dis, pourquoi t'es venu jusqu'ici, Zoé? T'as dit que tu voulais me parler? C'est pour mieux te manger, mon enfant. Mais t'es venu me voir, en personne. Pourquoi? J'arrêtais pas de voir ton visage. Mes rêves, dans la rue. Et je savais que si je venais pas te regarder dans les yeux... Tu pourrais pas tourner la page. Si jamais tu veux en parler, je suis bien placé pour comprendre. Et je suis doué pour écouter. Je vais bien. Je vais bien. Ça n'a pas toujours été facile, mais je m'en sors pas trop mal. Tu sais ce que je pense ? Le destin nous a pas épargnés tous les deux. Et on a passé notre vie à essayer de faire avec. Au fond, on se ressemble beaucoup, toi et moi. On n'a rien en commun. Non, tu te fais des illusions. On n'a rien en commun. Jay, pourquoi tu t'es mis à m'écrire ? Je te l'ai dit. Il y a beaucoup de choses dont j'ai jamais pu parler. Je sais. Mais pourquoi moi ? Tu disais que tu voyais mon visage la nuit. Des fois, je vois le tien moi aussi. Après toutes ces années, j'aurais dû tourner la page. Un peu trop de blabla, ici. J'ai jamais pu. Tu dois me détester. C'est normal, après tout ce que ma famille t'a fait. Ta famille a détruit ma vie. Ma mère. J'ai perdu ma mère cette nuit-là. Et combien d'autres ont perdu la vie? Ça m'a tellement bousillée que j'ai même pas fini le lycée. Je me suis fait virer de deux établissements différents parce que j'étais trop distraite. Et d'un coup, tu t'es mis à m'écrire. Et là... Zoé... Rien de ce que je pourrais te dire ne changera le passé. À l'époque, j'étais jeune, je savais pas ce que je faisais, et je réalisais pas à quel point ma famille était abusive. Mais peu importe. Après tout, j'avais 18 ans. J'aurais dû dire non. Mais j'en ai pas été capable. Je te demande pardon. T'as pas le droit de... Non, c'est pas aussi simple que ça. Sans doute pas. Mais ce que j'ai dû faire pour arriver jusqu'à cette cabane, les gens que j'ai, je pense à eux tous les jours. Le flic dans les bois, et toi, toujours toi. Arrête. Fais pas comme si ça te touchait. Écoute, si ça peut te soulager de me savoir enfermé, il y a une antenne sur le toit. Appelle la police. Je m'enfuirai pas. Une vie de mensonge, c'est pas ça, la liberté. J'en ai assez profité. Ok. Allez, viens, Roosevelt. On va se promener. Ah ben dans l'autre fois, je l'ai pas balancé. Là, je vais le balancer, alors. Il est temps qu'il paye. Le dénoncer. Je ferai un autre choix, quoi. C'est juste la raison. J'aimerais signaler la position d'un fugitif. Vous êtes en danger, madame ? Non. Je serai partie avant que vous arriviez. La vérité, c'est qu'on ne peut jamais vraiment échapper aux ombres. Soit on finit par les accepter, soit les ténèbres nous engloutissent. Jay Holt ! Vous êtes en état d'arrestation sur ordre du FBI et du gouvernement canadien. Avis de recherche. Un seul papa. Pourquoi est-ce que certains d'entre nous parviennent à grandir, alors que d'autres voient leur séjour sur Terre écourté? Appel rejeté, il va être condamné à mort.
ça c'est la mer. Prison à vie. Et ça c'est le cimetière. Del Holt et Berhot. Je n'ai pas les réponses. Mais une chose est sûre, je ne fuirai plus les ombres. Personne ne me pourchasse. On n'a plus vu le papy. Personne, il n'y avait que moi. Voicemail. Salut Zoé. Ah c'est papy. C'est papy. Dis, je repensais à notre conversation de l'autre jour. Tu sais, je t'ai dit qu'il fallait affronter ces démons et... Il y a quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Ce jour-là, à Turok, quand j'ai proposé qu'on prenne une certaine route, j'avais une idée derrière la tête. C'était pas la première fois que j'allais là-bas, à vrai dire. Tout ce qui s'est passé après le Desert Dream et puis tout le reste, je crois que c'était ma faute. Je t'en prie, t'es pas obligé de faire ça. Tiens-toi tranquille, ça va mieux pour toi. Oui, il peut tout prendre, c'est à Turok, dans la... Le mystérieux, on ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Il avait une dette aussi à Turok, le papy, apparemment. Je pense. Voilà, on a fini l'histoire, les amis. On a fini avec les mauvaises fins. Hein, on peut dire ça comme ça. J'espère que ça vous a plu quand même. Et sinon, au revoir. Allez, merci d'avoir suivi toutes ces aventures. Ciao, ciao.